Hassan, salam alaikum. Alaikum salam. Donc nous sommes là pour le suivi régulier de la marque Ferdows, hein, puisqu'on se rencontre à peu près tous les 6 mois depuis la création de ta marque, quoi. Donc ça a bien démarré, alhamdoulilah. On s'était vu au mois de février. Est-ce qu'il s'est passé de nouvelles choses depuis? Depuis février, une nouvelle collection qui est arrivée le mois dernier, donc en début mai. En février, on s'était rencontré pour les vestes Teji Ferdows Palestine, Ferdows et les pulls Ferdows Palestine. Depuis, voilà, des nouveaux modèles qui sont arrivés, Ferdows Maghreb, un autre Ferdows Palestine, Ferdows Way, qui sont aussi disponibles pour les enfants. Et puis voilà, comme d'habitude, toujours dans la création de nouveaux modèles, on essaie d'avoir des nouvelles idées. Pareil avec mon pote Vince, le graphiste avec qui je travaille depuis assez longtemps maintenant. Donc voilà, on continue, toujours. Mashallah. Après Ferdows Palestine, quels sont les autres projets à vocation humanitaire de la marque? Alors, pour le moment, je travaille toujours avec le CPSP. Donc, ça veut dire que l'argent est toujours reversé, une partie des bénéfices est toujours reversée à la Palestine par le biais du CPSP. Et comme j'avais déjà expliqué, je crois, dans une interview ou sur un article, c'est que Ferdows, c'est pas seulement pour la Palestine, c'est tout simplement pour défendre des causes qui sont justes, des causes humanitaires. Ça peut être pour l'Afrique, la Palestine ou autre. Nous, tout ce qu'on demande, c'est qu'il y ait de la transparence et du sérieux au niveau de l'ONG à qui on reverse l'argent et que l'argent serve justement à aider les gens. Et c'est pour ça qu'on demande de la transparence surtout. Donc que ce soit pour la Palestine ou autre, tant qu'il y a du sérieux et qu'on sait que les personnes à qui on reverse l'argent sont sérieuses aussi, on fournit, c'est pas de problème. Depuis la première interview, on avait pas mal de marques un peu dans ton style émergé, qui reposent sur, bon, qui reversent une partie de leurs bénéfices à des causes humanitaires, etc. Qu'est-ce que tu penses de cette Ferdows Mania, de la mode qui t'a lancé un peu, quoi? Alors, moi, ce que je pense, c'est que le principe est bon. Le fait de reverser une partie, c'est très très bien. Il faut continuer, si possible. Mais maintenant, ce qui n'est pas très bien, je pense, c'est de reprendre les mêmes idées. C'est-à-dire que c'est pas quelqu'un, il va faire une marque de vêtements avec ce concept, que toi, tu vas refaire la même marque de vêtements avec le même concept. Pourquoi? Parce qu'à la fin, on va tous se retrouver à faire le même truc. Il n'y aura aucune diversité dans les produits qu'on propose. On va tous se manger entre nous. Les clients, eux aussi, seront perdus. Ils vont tous avoir les mêmes produits. Et à la fin, ça ne va rien donner du tout. Donc moi, j'incite plutôt les jeunes, aux auto-entrepreneurs ou autres, à se lancer, à faire des projets, mais avec leurs propres idées. Et ça se travaille. Si là, tu n'as pas une idée, peut-être que tu l'auras demain ou après-demain. Ça se réfléchit, ça se travaille. Il faut essayer d'innover. Moi, avec Ferdows, je suis content parce qu'on a amené quand même un concept. Et les gens ont des gros concepts. Je suis très content, alhamdoulilah. Mais voilà, il faut essayer d'amener un truc d'original et pas forcément dans les vêtements. Hein. On n'est pas condamné à travailler dans une ligne de vêtements ou autre. On peut faire plein de choses. Hein. Ça peut être dans les vêtements, ça peut être dans la gastronomie, ça peut être dans les voitures, dans l'automobile, dans plein de trucs. Il faut essayer de s'élargir au maximum, mais je pense que c'est comme ça qu'on avancera. Avec du recul, qu'est-ce que tu penses du projet Ferdows Palestine? Ben, je pense que quand même c'est une bonne chose. C'est une bonne chose d'associer. Ben moi, ce qui est bien, c'est que j'ai une entreprise et que, avec cette entreprise, je peux me permettre d'aider un petit peu à mon échelle la Palestine, tu vois. C'est ça qui est très bien. Fait que tu essayes de vivre, de rentrer de l'argent pour toi, mais aussi pour aider les autres, ta communauté. Donc, ça, c'est très bien. Et, mais bon, après, voilà, il y a des côtés un petit peu plus compliqués. Ce qui est dommage. T'as dû être l'objet de pas mal de critiques, non? Comme beaucoup de gens qui font des projets humanitaires qui se mettent en avant. Bon, ça arrive souvent, malheureusement. C'est vrai que j'ai remarqué les gens, au lieu d'encourager ce genre de projet, bon, il y en a beaucoup qui soutiennent. Hein, et d'ailleurs, c'est grâce à eux que je suis encore ici aujourd'hui et que ça continue à tourner. Mais il y en a certains qui se permettent de dire des choses, de faire des choses. Quel genre de choses?
ben, de dire des choses du style tu verses maintenant 20% à la Palestine, pourquoi tu ne verses pas la totalité? Mais il faut arrêter. À un moment donné, il faut arrêter. C'est-à-dire que ce n'est pas quand on verse une partie à la Palestine que nous sommes des ONG. Firdaus, à la base, c'est une marque de vêtements. À C'est la un base, c'est business. une marque de vêtements, c'est un commerce, c'est un business, c'est une entreprise. T'as pas honte, non? Voilà, exactement, c'est ça. Mais ça, c'est des réactions que j'ai déjà entendues, ça. Et c'est très grave. Parce que si on fait ça, on empêche les jeunes, on empêche les auto-entrepreneurs musulmans, on empêche les auto-entrepreneurs des quartiers, etc., d'avancer. Parce qu'à un moment donné, l'entreprise, c'est fait pour faire rentrer de l'argent, pour faire tourner un business, etc., etc. Si une entreprise reverse 5%, 10% à la Palestine ou à un autre pays ou autre, c'est déjà très bien. C'est déjà très très bien. Il faut encourager ce genre d'initiative. Et si une autre entreprise ne reverse rien, c'est tout à fait son droit. Il ne faut pas tout mélanger. Il ne faut pas croire que les entreprises sont forcées de reverser une partie. C'est son business, c'est son dû. Il fait ce qu'il veut avec. Donc à partir du moment où on donne un petit peu, je trouve que c'est déjà très bien. Donc faut pas tout mélanger. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui m'ont dit oui, mais si tu donnes la Palestine, pourquoi tu fais de l'argent? Parce qu'à la base, c'est une entreprise, c'est pas une ONG. Les ONG, des grosses associations qui font bien leur taf, CPSP, voilà, c'est leur truc, moi c'est mon truc, c'est bien de pas tout mélanger. Et dans l'ensemble, tu as eu plus de critiques ou plus d'encouragement, quoi? Bon, franchement, alhamdoulilah, j'ai quand même plus d'encouragement. Et heureusement, parce que sinon, franchement, ça aurait été très dur de continuer dans cette ambiance-là. C'est dur pour le moral, hein. Il faut expliquer aux gens peut-être que Est-ce qui est quand tu dur, fais c'est un qu'à un moment projet. donné, tu penses faire quelque chose de bien, c'est pas facile, parce que même reverser 20%, c'est quand même 20%, c'est énorme dans un chiffre d'affaires. C'est pas facile. Donc, si en plus de ça, il y a des gens qui viennent et qui t'envoient des mails pour te dire ouais, est-ce que tu fais ces papiers, parce que si, parce que ça, à un moment donné, tu peux plus. Normalement, tu as besoin de leur force, tu as besoin de leurs encouragements pour avancer, eux, ils te donnent le contraire. Mais bon, quand même, la majorité des personnes ont bien adhéré au concept. Beaucoup de clients, depuis le début, ils sont fidèles à Firdaus, ils continuent de me soutenir. Je vous remercie à 100%. Et puis, voilà, quoi, c'est quand même plus de positif que de choses négatives. Alhamdoulilah. Heureusement, Ouais. Tu peux nous rappeler un peu le concours qu'on a organisé et nous en dire un peu plus? Est-ce que tu as envoyé les lots aux gagnants ou... Le quiz Palestine, donc organisé par le site Elha et donc la marque Firdaus. Ça s'est bien passé, il y a eu quand même pas mal de participants. Il y a eu, je crois, une centaine de personnes qui ont donné les bonnes réponses. Bon, on ne pouvait pas donner des cadeaux à 100 personnes, donc on a fait un tirage au sort pour être le plus juste possible. Et puis tout a été envoyé, les suites, les t-shirts, on a eu des retours des personnes, donc des gagnants. Ils sont très satisfaits, nous aussi on est très contents, alhamdoulilah. Et puis si ça a permis à certaines personnes de faire des recherches, parce qu'il y en a certaines qui galéraient par rapport à des questions quoi, ils sont allés sur Google, ils ont fait des recherches, ça leur a appris quelques trucs, donc c'est positif. T'as quelque chose à rajouter pour les lecteurs d'Al-Har? Donc déjà, je veux remercier une fois de plus le site d'Al-Har, parce que depuis le début ils sont là, alors qu'il y a eu plein de portes qui sont fermées devant moi. Eux depuis le début ils me soutiennent, donc barakallahu fikoum. Ça me fait vraiment plaisir. Et puis, il faut continuer à soutenir, voilà, les sites comme Elhar, les initiatives qui sont prises. Il faut continuer à les soutenir, à les booster pour faire en sorte que ça avance, quoi. Vous savez très bien qu'il y en a plein qui nous mettent des bâtons dans les roues. Alors, si on continue nous-mêmes à se mettre des bâtons dans les roues, on ne va plus avancer. Et donc, voilà, il faut continuer, toujours positif. Et Inch'Allah, on pourra faire quelque chose de grand. Inch'Allah. Inch'Allah. Barakallahu fik. Wafik, Barakallah. Allez, salam alaikum. Comme ça.